figure. Gaieté, on a rejoint qui? Qu'est-ce que tu fais à Paris? Ah, c'est comment les gars là? Je vous jure, là aujourd'hui je comptais rejoindre Sanoussi et à l'arrêt d'erreur à Châtelet je vois qui? Esteban Clo. Esteban Clo, Rodrigue. Hey, tu vas me faire visiter le petit skatepark d'Arc. Grave, grave. Aujourd'hui. Et au tacos? En léger. Et merci. Bonne journée. Ah ouais. Ok, mission tacos fini. Maintenant, après mission Arcueil Cacherolles. Non. Déjà, on va récupérer notre tacos. Parce que toi, tu l'as. Mais nous, déjà, on l'a tu récupères ton tacos, tu manges le tacos. Arrisca. Et après, ça part en session. Mais attends, je sais pas exactement. Il y a Ersko. Wesh, Nadi, vas-y, ma petite. Tranquille, toi t'es à l'heure hein. Ah gros, j'ai une excuse pour cette fois. Je te jure, j'étais en train de regarder ta vidéo sur YouTube, je pouvais pas m'arrêter. Viens quoi mon gars. Ça te dit quoi petit bonhomme? On est là hein. Quelle composition de tacos? Tacos, cordon bleu, barbecue. Wesh, on est ensemble mon gars, check. Là on est en pleine vidéo dégustation. Genre je vais te dire, si le tacos de Paname c'est mieux qu'à Valence. Vas-y vas-y, ça marche. Ouais, c'est validé. C'est validé. C'est carré. Même la 30 complète, validé par les Valentiers. Comment on dit les mecs qui habitent à Valence? Valentino. Hein. Jure ouais. Ah ouais. Bonne appel. Bonne appel. C'est la classe, il arrive. Là, il y a Octave qui nous a rejoint aussi. Let's go. Et là, il y a Sanoussi qui filme une vidéo avec une TikTokeuse. Et Esteban Clo, il va faire un cacherole, vous inquiétez pas. Sacha dans Pokémon. Pas trixé par le cacherole. C'est Sacha dans Pokémon. En fait, ta caméra toi, tu veux pas lâcher ma trotte. Elle est trop bien, j'ai compris. Vous savez pas, c'est que là il fait maxi froid. Oui, dans un petit froid. 1, 2, 3. Attends, il fait pas un vlog. Mais l'arrivée des riders. Et c'est tout. Il y a même pas de trottinette encore. Ouais, Sam Scoot, il a réussi sa mission là. Il a réussi hein. Il a réussi à faire descendre au feignant le mini courbe. Ah, même toi, tu arrives pas. T'es un bâtard, le fait. Mais t'as vu, tu commences. Let's go. Gara, Yunka FC. Abed, j'ai une question. T'as vu là avec Esteban? Bon, moi je sais pas si je vais le faire, mais lui il va le faire. Et il veut faire flair sur la boule. Est-ce que tu le mets toi? J'ai déjà mis. Tu parles de ce que tu le mets aujourd'hui? Non. Non? T'as un fou. Et si Esteban il ne met pas faire strike, ça veut dire que je peux pas le mettre. Attends, après tu fais sur la mini là. Moi je crois que je vais pas essayer hein. Sur la mini là. Ouais, ça va sur la mini là. Sur ça? Ouais. Viens, on le fait ensemble. Non, non, moi j'ai jamais fait. Vas-y, je suis chaud. Validé par le E. Let's go. Eh hey, je m'en bats les couilles de ce que tu dis, let's go. Esteban, je te vois un mec qui va faire un bunger là. Ah. Là, je te vois un mec qui met ses protections pour faire un cacherole là. T'es un malin toi. Hein. Ici, on a deux univers différents. Abed, le pôle Nord. Hey, croyez pas Esteban, dans... les Maldives. Croyez pas, dans deux minutes, c'est remis. Hein. Ça va? Tu t'es fait mal? Non, ça va, juste une béquille. Ça va toi, tranquille, ça vit bien hein? Non, ma gueule, c'est bien joué. Très très fort. Hey, ils sont chauds les Valentino. Ouais. Mais la vie, c'est comme ça qu'on dit? Bah non. On dit comment? Bah ouais, les Valenciens. T'as cru on était sur Mars ou quoi gros? La vie c'est Valentino. Je pense que c'est les Valanais.
C'est sûr, non, c'est trop. C'est les Valentinois, il m'a dit tout à l'heure. Ah ouais? Ouais. Non, pas mon cas. Mais gros, c'est pas les Valenciens. Valenciens, t'imagines t'es un Valencien? Bizarre. Eh, bah il fait pas trop froid aujourd'hui. Comme tous les jours, hein, on l'a déjà. Je suis sûr que dans cette vidéo, on a déjà dû le dire au moins 4 fois. Non, mais là, c'est encore pire qu'hier. C'est vrai. Hier, en fait, on était à Arcueil et on a pas beaucoup filmé. Il faisait trop froid et on avait oublié qu'on faisait une vidéo tellement il faisait froid. Du coup, bah là, on se retrouve avec Bailly. Il y a même Sanoussi qui vient après. On a la défense, tu vas faire le rail. Banal. Tu vas faire le rail? Non. Non, en vrai, là, il fait trop froid. Mais je pense qu'on va aller à un spot pour se chauffer. On va rejoindre d'autres personnes et après, ça va aller dans un parc. You know. Là, on se balade tranquillement la défense avec Bailly. Il y a un nouveau spot. Ah, je suis mort. Ils font des nouveaux rails, mais ils les anticipent déjà. Ils anticipent tout. Hein. Tu sais que le rail là-bas, là. Tu sais, le rail un peu haut, mais pas raide. Ouais. Il est anticipé maintenant. Je te jure qu'il est anticipé maintenant. Non mais la défense, elle devient nulle. Bah. Tous les spots qui étaient bien, ils les ont tisqués tous. Eh moi les gars, je vous dis, s'il y a un mec qui a envie de faire un trick sur le rail des 19 de la défense, eh c'est maintenant qu'il faut le faire parce que moi je pense que le rail de la défense il va bientôt être antisqueté. Non mais t'as vu comment tous les spots sont tisqués là? Précurseur. Je suis un précurseur, voilà. Ah. Vous me direz merci plus tard. Ah. Maxime Plat, ma gueule, le jour où il a traversé une galaxie. Vas-y, va sur Flippy Land, allez. Merci. Let's go. Oh, même ça sans disqueter. Eh, c'est trop grave, c'est trop grave. Est-ce que je dis à propos du rail des 19? La vie ça va être vrai, c'est sûr. Eh, depuis tout à l'heure on a fait que des spots, ils sont tous en disqueté. C'est trop bizarre. La vie? Là je suis en train de faire de la musique. T'es une aide de vitesse. Eh, c'est bizarre hein. Vas-y, viens, on s'en va. Vas-y. Non, pas de problème, monsieur. Dis-toi, mon petit Bailly, j'étais plus jeune que toi, j'avais 13 ans. Ça, c'est le premier rail que j'ai fait où il y avait un petit kink à la fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Bailly, t'as les capacités de le faire. Enfin, surtout, Thomas, il a mangé le poteau aussi. Non, mais Thomas, parce que parce qu'il était petit. Tu veux que je passe là? Mais en vrai, je te jure, c'est facile, hein. Vas-y, au moins, ce sera mon premier. Hein. Ouais, et après, ça te débloquera sur plein d'autres rails. Vas-y, merci, papa. Let's go! Excellent. Tu vois, il n'allait pas avoir peur. Je savais que t'allais le mettre normal. First try, mon gars, bien vu. Non, mais à la défense, il y a vraiment des antiskates partout. Même sur le sol. Il n'y a pas 10 mètres qu'on fait où on voit pas des antiskates. Donc, si tu veux faire le rail de la défense, hein. Le mec, il veut trop voir des tricks de ouf. Non, en vrai, faites attention, il est dangereux le rail. Mais si tu le sens. Maintenant. Let's go. C'est maintenant, ouais, en vrai, je pense que c'est maintenant. Même ce spot, regardez comment il est parfait. Bah bien sûr, ils ont discuté. Eh, c'est ici que j'avais fait le clip avec Chili. Ouais, c'est là, mais tu sais que j'écoutais ces sons là dans le métro, ça a daté. La vérité, on était ici là, avec tous les boucles de la bande de canettes. Il y a Ethan Nizi, Hakim Zou, KFC. Même Lucas Jimiglio, ah, il y avait Lucas Jimiglio aussi. On était là, on était en train de... Je sais plus, on marchait pour le clip et tout. Spot déjà validé par des riders trottinettes, je pense. T'es chaud, tu le drapes ou pas? Ça, c'est la vidéo la plus facile que j'ai jamais faite de ma chaîne YouTube. J'ai même pas besoin de rider. Alexandre Bay, il commence à être super fort. Et c'est lourd, là, il commence à se jeter. Vous allez voir que dans les prochaines années, vous allez entendre vraiment parler de lui. Moi, je pense. T'imagines, tu tombes de l'autre côté, là? J'espère que ça reste un imagine. Non, ça arrivera pas, toi, t'es trop fort. Hey, mais j'étais jamais là, ce spot. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? T'as dit quoi, le vieux fou? C'est toi le vieux fou? Ça va où? Là, on a la défense là avec Bailly. Toi, tu vas aller où? Tu vas aller où, toi? T'es pas chaud, on va vers Nation, un truc comme ça, ou tu veux aller où? T'es chaud, toi ou pas? Bah, ouais, si vous voulez. Ouais, moi je suis chaud, vas-y, on se rejoint au skatepark des Nations, c'est bon? Vas-y, dans combien de temps, toi, tu es? Dans une heure là-bas. 13h30 là-bas. Ok, vas-y, c'est bon. Vas-y, à tout de suite. Sois alerte, moi je te cogne. Vas-y, c'est. Eh, ça ouf. Je suis sûr que je vais arriver avant lui en plus. Là, on est au spot où Lucas il a fait bar manual rolling. Eh, c'était bar manual qu'il avait fait, Lucas? C'est un malade, je vous jure. Eh, quand t'es ici, le truc il tourne et c'est un mur. C'est pas possible. Trop chaud. Et là, il y a un rail qui tourne. Il a déjà été pris, je crois. Eh, mais ma gueule. T'imagines, t'es là, tu fais rolling là,
Après tu te jettes mais t'as l'impression de te jeter dans le vide gros. C'est jeté là ma gueule. Même le rail donne tout sauf envie. Regardez là je suis à ça d'élan. Je suis à 10 mètres. Regardez, on voit même pas le rail. T'as l'impression que tu t'envoies en enfer. Imagine tu prends ta prise d'élan là. Comme ça. Tu vois toujours pas le rail, tu vois toujours pas le rail, tu vois toujours pas le rail. Là tu vois un rail raid de ouf. Non il fait peur hein. Bon je vais pas te cacher, il est possible hein, franchement. Mais il est un peu dangereux. C'est possible. C'est possible parce que toi t'es bien allé sur les rails. Bah en vrai je peux le faire mais j'ai pas de raison de le faire mais je sais que je le fais. Il est très engagé. Mais ouais il est un peu dangereux. Let's go, regardez Luca Gimiglio. Il vient de recevoir enfin son deck pro modèle. La vie, je suis trop content pour lui. Non, en vrai, même le deck 14 de large, il le ride trop bien. Il est même devenu champion du monde avec, mais... Oh, avec ce deck, c'est un carnage. Il est trop fort. Bon, en tout cas, trop, trop fier de toi, mon gars. Non, non. Ah là, ça glisse, ça vient, non ? Ouais. Là tu vas tous les faire, board, 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 board. La bougie ça coûte pas cher hein. La bougie ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher, c'est pareil. Ah, bonne journée à vous. Même moi j'ai validé le rail. Ah ouais, il est satisfaisant. Bon, il glisse pas de ouf, c'est pas ouf, mais c'est juste une question de temps en fait. Faut juste le rider souvent et après ça glissera parfaitement. Là pour l'instant c'est compliqué. Ça dit quoi professeur Sanscoot? On est là. T'as fait un cours aujourd'hui? Ouais, j'étais en stage, je fais des stages. Là, il y a les stages vacances. Ah, ça, c'est lourd ça. Ouais, c'est lourd. Faudrait que tu viennes d'ailleurs, ils veulent que tu viennes. Très bah, chaud vas-y, en matin. Vas-y, moi je saute pas ça. Genre. Et demain, on y va. Demain matin? Demain, on va donner des cours d'étrangers. Demain, tu veux, demain ça, matin, voilà, bien. Tu manges avec nous et tout. Les gars, dans le prochain vlog, je vais rendre visite aux élèves de Sanscoot. Ouais. Ça dit quoi toi? What's up? Attends, ça dit quoi depuis hier? Caméra, t'es con ou quoi? T'es bête ou quoi? Vas-y, je vais lancer ça, moi. Qui, moi? Pourquoi? Mais non, Esteban, tu mets ça. T'as vu ou pas? J'ai bien. Ouais, j'ai vu, tiens. J'ai filmé, quand même, moi, j'ai pas fait exprès. Oh! Trop cool. Tous les jours, on le met. Tous les matins, first ride. Bon bah je vous en avais parlé, bah au final j'ai bien vu Lucas dans la journée. Il a son nouveau deck. Et depuis tout à l'heure il est en train de tester, il est trop content. Ouais je suis trop refait. Ça fait trop plaisir. Je suis trop content pour toi, montre le dessous et tout. Lucas Gimiglio. Bref, vous avez compris, c'est Lucas Gimiglio. Énervé, je suis trop fier de lui. La tête d'homme, je suis trop fier. Merci de toi, mon gars. Je suis trop fier. C'est ce que tu mérites le plus, gros. Ça fait trop plaisir. La trotte, il te manquait que ça. Là, je suis trop content. J'ai une vraie trotte et tout, avec mes dimensions que je kiffe et tout. Je suis refait. Ah là 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 là. Énervé, mon gars. Bah. Bien, gros. Ouais. Énervé. T'as validé? Très fort. Let's go, check, mon gars. Bon là, les gars, ça va être la fin de la vidéo, vous voulez dire un truc ou pas? Ah, t'es bien fort, hein. Allez, retrouvez ces films. Royal Street. Sur le truc en ligne, Royal Street. Le lien va être dans la description, merci à tous d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve bientôt.